Que cherchons-nous en ce début de troisième millénaire ? La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est un fait. Et avant tout, le droit de vivre en paix, en pleine santé. L'entraide, la solidarité envers le prochain, les sociétés et les communautés actuelles le proclament. Nos destinées méritent d'être prises au sérieux, sachant combien la vie est fragile, précieuse et parfois brève. Le monde contemporain tend vers un matérialisme avilissant, fait de complications certes, mais il en va de notre bien-être et de notre épanouissement de lui donner un sens plus profond, plus consistant, et de le simplifier en cherchant la juste attitude, expression qui se traduit par tsul trim en langue tibétaine. Une quiétude luminescente en découlera, chargée du ressenti d'une inconditionnelle bonté. Avec un objectif, réaliser de belles choses, exprimer plus d'amour, apprendre encore et encore à se mieux connaître et à sauvegarder les bienfaits offerts depuis la nuit des temps par Mère Nature. Comment se fait-il que tout change ? Qu'est-ce que l'impermanence ? C'est ainsi qu'est la vie, répondit Bouddha. Cette existence qui est la nôtre est aussi éphémère que les nuages d'automne. Observer la naissance et la mort des êtres est comme observer les mouvements d'une danse. La durée d'une vie est semblable à un éclair d'orage dans le ciel. Elle se précipite, tel un torrent dévalant une montagne abrupte. Et sur le point de mourir, il rajouta : de toutes les empreintes, c'est celle de l'éléphant qui est suprême. De toutes les contemplations de l'esprit, celle de la mort est suprême. Ce qui est né mourra. Ce qui a été rassemblé sera dispersé. Ce qui a été amassé sera épuisé. Ce qui a été édifié s'effondrera. Et ce qui a été élevé sera abaissé. L'impermanence est une notion devenue familière aux découvreurs des mécanismes quantiques dans les années 1900, tel Erwin Schrödinger rompant avec le matérialisme et le réductionnisme de la science classique. Le physicien autrichien avait étudié le Vedanta dans sa jeunesse et déclaré que dans le monde entier, il n'y a pas d'étude aussi bénéfique et aussi édifiante que celle des Upanishads, ces textes sanscrits transmis oralement d'enseignants à élèves depuis des millénaires. Il rajouta que cela avait été le réconfort de sa vie et que cela serait aussi le réconfort de sa mort. Selon Viraj Kulkarni, titulaire d'une maîtrise en informatique de UC Berkeley et doctorant en intelligence artificielle, la réalité surgit de la conscience, bien qu'elle ne puisse pas être trouvée à l'intérieur de notre corps en tant que substance ou organe. D'après lui, le modèle standard insiste sur le fait que la réalité existe sous forme d'onde et que la dualité onde-particule résulte de notre observation imparfaite parce que nous ne pouvons pas percevoir la véritable nature qui, elle, est ondulatoire. C'est notre observation sensorielle qui réduit donc à une illusion cette réalité incomplète que nous percevons. Cette réduction, appelée par les scientifiques
effondrement de la fonction d'onde correspond à l'antique maya hindou signifiant illusion. Alors que les Védas prescrivent des rituels pour apaiser les divinités, les Upanishads sont des textes qui s'intéressent à la nature de la réalité, de l'esprit et du soi, décrivant la relation entre Brahman, le principe originel, et Atman, la conscience, qui en définitive sont un. L'Isha Upanishad, dite du Seigneur, écrite il y a 2500 ans, affirmait déjà que le Brahman forme tout ce qui est vivant ou non vivant. Le sage sait que tous les êtres sont identiques à lui-même et que son moi est le soi de tous les êtres. Des physiciens comme Werner Heisenberg, Max Planck, John A. Wheeler, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, Max Born était également fasciné par cette pensée mystique, car la physique quantique élimine le fossé entre l'observateur et l'observé. L'observateur et l'observé, à l'échelle de l'infiniment petit, soit 10^-35 mètres, deviennent une seule et même chose. Car le monde inférieur à cette longueur définie par Planck et Wheeler se confond très probablement avec notre acte d'observation. Cela expliquerait que votre monde et mon monde soient pareils, ou du moins en interaction permanente. Si quelque chose arrive dans mon monde, cela pourrait aussi arriver dans le vôtre. Et qu'est-ce qui fait que tous ces mondes se synchronisent les uns avec les autres ? Schrödinger concluait : il n'y a évidemment qu'une seule alternative, à savoir l'unification des esprits ou des consciences. Leur multiplicité n'est qu'apparente. En vérité, il n'y a qu'une unité. Tout ce que nous voyons autour de nous est Maya, une distorsion du Brahman causée par notre ignorance et nos sens imparfaits. La Chandogya Upanishad ne proclame-t-elle pas ? Tout cela est Brahman. Tout vient de Brahman. Tout remonte à Brahman. Et tout est soutenu par Brahman. Tout est changement, nous disent les scientifiques. Une fluctuation continuelle au fondement du tout. D'après l'enseignant américain Gary Zukav, le monde subatomique est une danse sans fin de création et d'annihilation, de matière devenant énergie et d'énergie devenant matière. Des formes transitoires apparaissent et disparaissent en un éclair, engendrant une réalité constamment recréée. C'est ainsi qu'est décrite la danse cosmique du dieu hindou Shiva, évoluant depuis toujours au sein d'un cercle de feu, afin de transformer la matière inerte en lumière, puis la lumière en matière complexe, animant l'univers entier. Shiva danse, en pleine félicité tout en présidant au règne du « partout en même temps » et de l'omniprésence, de l'intrication et de l'ubiquité. Cette chorégraphie cacherait-elle une esthétique qui nous échappe, une géométrie parfaite capable de fonctionner sans aucune friction et sans aucun effort ? C'est ce que nous révèle la synchronisation des phénomènes naturels dans chaque étape du vivant, cette métacohérence développant des aléas et des programmes, coordonnant des accidents de parcours et des codes, harmonisant le hasard d'une part et la nécessité d'autre part, lissant déterminisme et probabilité, imprévisibilité et algorithme. Nous constatons alors que microcosme et macrocosme se répondent en miroir, articulant leurs dimensions et combinant leurs énergies propres dans les profondeurs de l'humain. Avec son troisième œil au centre du front, Shiva voit tout, passé, présent et avenir,
sa longue chevelure ébouriffée symbolisant une toute puissance multidimensionnelle, son visage royal demeurant calme et paisible. Tiruvasi, le cercle de feu qui l'entoure, représente la conscience universelle, le grand hall d'une fantasia céleste. Sa boucle d'oreille gauche féminine et la droite masculine nous rappellent que Dieu ou Devi est indifféremment yin et yang, plein et vide, vie et mort. À son sommet s'érige Mahakala, le temps cyclique, et en ornement, les serpents de la Kundalini, ce tourbillon génératif évoluant le long de notre colonne vertébrale. Selon les expériences menées autour des années 2000 par le physicien français Alain Aspect et son homologue suisse Nicolas Guisin, la nature est capable de coordonner sans communiquer. Et il existe un hasard réel, un hasard quantique, un vrai hasard, différent du hasard classique. Ce hasard objectif, implié au cœur des créatures, serait lié à l'existence de corrélations non locales, de coordination à distance sans communication matérielle. Ces notions impliquent la possibilité d'un tout non local, non déterministe, possédant des parties intriquées, évoluant au sein d'un champ informationnel, régi par des propagations essentiellement probabilistes. Le concept du biocodex, à l'instar du yoga, offre la possibilité d'accéder à une forme d'éveil quantique. En quête d'une discipline respectueuse de notre environnement, la pratique tibétaine de Dzogchen, parfaite complétude, conjointe au Mahasandhi sanskrit, le grand rassemblement, sont des moyens originaux, issus de la tradition himalayenne, destinés à s'auto-libérer et à explorer des états modifiés de conscience et de réalité. À partir de Rigpa, la brillance individuelle innée qui repose en chacun de nous et qui transcende la dualité, nous allons approfondir les vertus acquises que sont Treksho, la métacognition, et Togal, l'instantanéité. À l'opposé des technologies hétéronomes propres aux objets connectés, aux réseaux sociaux, aux chatbots et autres perturbateurs chronophages, l'apprentissage de la méditation spontanée, immédiate, est exempte de toute contrainte extérieure. Cette expression relaxante s'avérera à long terme pourvoyeuse de sensations nouvelles, parfois étranges, induisant des effets entoptiques, de clairaudience, et des transmutations psychophysiologiques. Adjointe à des mouvements de mains, les mudras, et à des postures, les asanas, ces techniques de maîtrise mentale et corporelle ont pour but d'optimiser et de parfaire une immersion dans un flux transcendant par-delà tout état, appelé Turiyatita. Autour de l'Udgita, le son primordial qui élève, ces 5 degrés de présence au monde se côtoient, se chevauchent, nous enveloppant au quotidien avec plus ou moins de prégnance, nous entraînant dans un flot d'ondes et de particules. Interpénétration, interaction, de toute éternité et en totale impassibilité. Cela nous rappelle les mots du physicien Max Planck. Non seulement le problème de la réalité ou de l'irréalité du monde extérieur ne peut être tranché, mais il ne peut même pas être exprimé en ces termes. La Mandukya Upanishad explique le sens de la syllabe Aum. Le repos en soi-même est le propre état réel, le pouvoir total, l'omniscient et l'immanent, source de tout. Le début et la fin de toute chose. La suite est au-delà des mots, au-delà de toute notion même,
et ne peut être comprise que par l'expérience du Chaturtha Pranayama, ce contrôle discret du souffle donnant accès à une conscience non causale, assimilable en physique à un champ de Higgs opératif.